Salut tout le monde, c'est BrianBoss7. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez tous. Car oui, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale et aussi très longue. Vous avez dû le voir pour la durée. Non, ce n'est pas un bug. Cette vidéo dure 2 heures limite plus. Il s'agit de la 200e vidéo de la chaîne. Alors oui, ça fait depuis bien longtemps que certains l'attendaient. Bon, d'un côté, j'ai un peu galéré à faire l'intro que vous avez vu au début. Donc d'un côté, j'ai un peu galéré à faire ça. De plus, il fallait que je regarde au niveau de mes disponibilités. Et donc là, aujourd'hui, le vendredi 17 mai, il est actuellement 18h32. J'ai pu enfin me libérer. Donc là, j'ai terminé les cours. Et la semaine prochaine, je vais pas à l'école. Donc, une fois que cette vidéo sera mise en ligne, ne vous inquiétez pas. Les uploads des autres vidéos reprendront. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Donc, no stress. Alors, je vous dis tout de suite, je vais être juste là-haut. En haut à gauche, là j'ai changé de scène avec XSplit et on va pouvoir admirer le programme. Et hop là, voilà. Donc voici le programme. Alors pour ceux qui voudraient savoir, c'est Office 2013 qui est là. Alors voici le programme. Alors déjà, on va commencer par un bon Diablo 3. Parce que je sais que certains trouvaient que Diablo 3 était absent. Bon, en retour, Heart of the Swarm a été remplacé. Mais quand même, c'est que je suis en coopération avec Peggy18PU. Alors, hélas, il n'est pas connecté, c'est regrettable. Mais enfin... faudra faire avec, parce que niveau disponibilité, il n'est pas aussi disponible que moi. Donc ça, c'est pas du tout volontaire de notre part. Quand on est disponible, on essaye de tourner quelques épisodes, même si cela est assez difficile dans l'ensemble. Donc en premier, du Diablo 3, on va y rester à peu près 15-20 minutes. C'est tout à fait raisonnable. Ensuite, une bonne partie sur une bonne mission sur StarCraft 2 Heart of the Swarm, plus un petit match. Alors je vous dis tout de suite, en match je prends les Protoss, parce que avec les Protoss je suis assez puissant. Alors bien sûr, je prendrai un niveau d'extension Heart of the Swarm. Et alors, je préviens tout de suite, je jouerai contre les IA, parce que, en fait, contre d'autres joueurs, pour faire simple, je suis une grosse merde. Ensuite, du Battlefield 3, donc je ferai 2-3 matchs. De plus, si au moment que je tourne, certains sont connectés sur Skype, certains pourront jouer une partie. Donc là, j'ai demandé à Miatos. Il m'a pas encore répondu, mais si il peut, et surtout s'il veut, mais je suis sûr qu'il va dire oui, il va venir, et puis comme ça, on pourra se faire quelques petites parties. Ensuite, un bon épisode d'Assassin's Creed Brotherhood. Alors, l'épisode, il va durer à peu près 25 minutes, parce qu'ensuite par derrière j'ai le montage quand même. Ensuite, oui, elle fait son grand retour après beaucoup d'absence. BrianBoss7 contre la nature, la 3e saison va arriver. Alors vous allez me dire, bon, saison 1 Minecraft, saison 2 Defeat the Beast, alors saison 3, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau là-dedans, vous allez me dire. Eh bien, on va faire simple, ça sera de Minecraft classique, parce que du Feed the Beast, perso, j'y vais moins.
Et bien sûr, et ça, c'est le gros, mais très gros avantage, vous pourrez me rejoindre. Parce que, en effet, il se trouve que sur Twitter, il y a OMG Serve, un hébergeur de serveur Minecraft qui me suit. Je suis allé sur leur site et qu'est-ce que j'ai vu? Des serveurs à Minecraft gratuits à vie. C'est incroyable. J'en ai deux à mon actif. Bon, plus le troisième, mon Innovation Gaming, mais il a quelques petits problèmes en ce moment. Donc, je vais aller sur un serveur gratuit. Enfin, l'un de mes deux serveurs gratuits. Ça va être le serveur de la saison 3. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai l'adresse IP dans la description de la vidéo. Ah, bien évidemment, ce serveur, je l'ouvre uniquement quand je tourne. C'est très simple. J'ouvre le serveur, je tourne et ensuite je le ferme. C'est aussi simple que ça. Aucun plugin. Et bien sûr, si vous venez, une condition. Évitez de griffer. Ensuite, vous avez d'autres choix. Soit vous faites ça chacun n'importe quoi, soit vous faites ça avec moi. Et bien évidemment, le serveur sera en hardcore. Ensuite, une petite visite de ma chambre parce que là vous en voyez un petit aperçu mais vous voyez pas le véritable bordel que c'est dedans. Et plus en plus je vais voir, enfin pour certains vous allez me dire ouais du 3615, je vais pouvoir raconter mon quotidien, comment ça se passe, une journée typique avec moi. Donc voilà, c'est je vous montrerai tout mon équipement, mais vraiment tout. Enfin, peut-être pas quand même. Mais bien sûr, je vais pas vous montrer des choses strictement personnelles, hein. Donc voilà. Alors, si ce planning vous convient, je vous propose donc une chose. Ah, notification Skype. Bon, ben, parce que Yatos sera avec nous. Alors oui, j'ai des personnes là qui sont connectées. Donc voilà. Alors là, je vais couper XSplit. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour la vidéo sur Diablo 3. Allez, à tout de suite.